Présent ce samedi 28 août 2021 dans Fort Boyard, Brahim Zeba est une personnalité bien connue des Français. Participant emblématique de la quatrième saison de Danse avec les Stars sur TF1 en 2013. Le danseur avait réussi à se hisser jusqu'en finale avant de s'incliner face à la chanteuse Alizée. Danseur professionnel de métier, ce dernier s'est également fait connaître à travers le monde pour son idylle avec classe égale à Cher et Madonna. En octobre 2015, Brahim Zeba était invité sur le plateau de Toute une histoire, France 2. Face à Sophie Davant, le danseur s'était confié sur sa rencontre avec la Madone. C'était en boîte de nuit à Londres, on s'est vu, on a dansé. On m'a appelé à sa table et j'y suis allé. Nous avions des amis danseurs en commun. Je n'étais pas impressionnée, je ne savais pas qui elle était. Enfin, je la connaissais, mais à cette époque Madonna ce n'était pas mon style musical. Point. Virgule avait-il expliqué. Et petit à petit, les deux se sont alors rapprochés et ont vécu une idylle qui a duré près de 3 ans. Concernant sa rupture avec la mère de Lourdes, 24 ans, Brahim Zeba avait ensuite partagé tout son chagrin. Tout le monde a souffert. Madonna est une personne que je respecterai toute ma vie. Nous sommes toujours en contact, elle m'a appris énormément, avait indiqué le danseur. Tout en ne mentionnant pas qui était à l'origine de cette séparation. Dans les colonnes de Gala en 2014, il s'était également confié sur les différentes critiques reçues lorsqu'il était avec la star. Aujourd'hui en couple avec le jeune Malam Ali Williams. Je sais qu'on m'a traité de tomboy. Franchement, je ne me laisse pas atteindre par ça. On m'a soupçonné de vouloir l'utiliser. Mais comme je lui ai toujours dit, avec ou sans elle, je serais arrivé où je suis aujourd'hui. Ça aurait juste pris plus de temps. Avait-il indiqué. Et d'ajouter sur le grand amour, j'ai l'impression de ne jamais l'avoir trouvé. J'ai essayé, mais je ne ressens rien de plus fort que ce que j'éprouve pour ma mère. Guillaumet.